Juste à fond. אחת התועלות שיש לעובד השם מהביטחון להשגת שלמות בתורה ועבודה היא שעל ידי שהוא בוטח באלוקיו כמו שהעבד חייב לבטוח על אדוניו יש לו מנוחת הנפש מהדאגות ויהיה לו רב חובות הלוואות עליו השלום ça a été écrit il y a près de 1000 ans Ça est écrit par Rabbeinu Bechaye. C'est pas Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Les gens croient que c'est, il y a Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Et Chovot HaLevavot s'appelle aussi Rabbeinu Bechaye. Mais c'est pas le même. Il définit là maintenant, en deux mots, qu'est-ce que c'est Bitachon ? Qu'est-ce que c'est faire confiance à Hachem ? Ke'eved al-Adonav. Comme le l'esclave, l'évêque c'est l'esclave, par rapport à son maître. On apprend Baruch HaShem la Gemara. Dans la Gemara, on apprend la halakhot de Eved Kenaani. Et on voit que Eved Kenaani, c'est comme un bien qui appartient au maître. Comme une table, une chaise, un âne, une vache. Il y a aussi le Eved Kenaani. C'est un bien qui appartient à son maître. Dans ces halakhot là, on a une halakha qui s'appelle par exemple Mashakana Eved Kanarabo. Le Eved, l'esclave, n'a même pas le moyen d'acquérir. Il n'a pas de main. Ce que l'esclave reçoit, ça appartient à son maître. Automatiquement. Il trouve quelque chose par terre, il la soulève, il trouve un billet, il le soulève pour le garder pour lui-même. Ce billet-là, en le soulevant, il est parti à son maître. Donc il n'a même pas de main. Le boter Bachem, aussi, il faut qu'il s'habitue à sentir. C'est chaque juif, ce n'est pas le boter. Chacun est obligé d'être boter. De sentir que tout ce qu'on a dans la main, c'est Hachem. J'ai rien à moi. Il n'y a pas moi, je n'ai pas une possession. Je n'ai pas de main. On verra plus loin que ça va encore beaucoup plus loin. Qu'il n'y a même pas de moi. Même moi, ça n'existe pas. Tout est Hachem. Même l'existence, même de l'homme, c'est Hachem. Le Nefesh HaChaim explique ça, que l'homme, pas que l'homme, toute l'existence naît. Ça veut dire existe que par la pensée d'Hachem. Hachem pense et veut que tout existe, alors tout existe. Donc même moi-même, je suis que le reflet de la volonté d'Hachem d'exister. Oui, on monte de niveau ce soir. C'est tout. Toute la bria ne représente que la volonté d'Hachem qu'elle existe. Ah, si c'est comme ça, alors on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Pourquoi ? Parce que ma main bouge, c'est Hachem. Que ma tête pense, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. À plus forte raison, ce que j'ai acquis, j'ai rien acquis, tout est Hachem. Qui rêvait de la donave. Alain Vachem, le Rav, il ne détaille pas beaucoup. Il dit quelques mots. Mais si un homme qui a le bitachon arrive à aller jusqu'au bout, il pousse jusqu'au bout la emouna en Hachem et le bitachon, et il considère comme étant lui-même appartenant à Hachem, et tout ce qu'il a c'est Hachem, tout c'est Hachem, alors qu'est-ce qu'il atteint ? Yesh lo menuchat hanefesh ma'adagot. Il a le repos de tous les soucis. Il n'y a plus de problème. Ah, il s'inquiète pour ça. Qu'est-ce qu'on va me donner comme réponse ? Positif, négatif ? Voilà, là j'attends une réponse. Là j'attends ça, là j'attends ça. Et tout le temps qu'il a, il attend la réponse. L'angoisse dans le ventre. Ça bouge là-bas, ça bouge. Il a mal au ventre, il a mal à la tête. Il est angoissé. Il attend la réponse de ça, de ça, de ça, de ça. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pas ? Il est angoissé. Là, il nous gamme des réponses d'analyse médicale, des choses comme ça.
combien la personne est angoissée, angoissée. Aval, celui qui est boter, Bakadosh Baruch Hu, tout ça, Hachem. Parce qu'est-ce qu'il gagne? Menuchat, anefesh, madagot. Il a le repos de tous les soucis. Il est calme. Veu yochol et masin, la avodat Hachem. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Avodat Hachem. Prends la Gemara, prends le chasse, et y'a la tarbit. Y'a là, étudie. Assieds-toi, étudie. Assieds-toi, serre Hachem. Fais des tefilotes comme il faut. Alors là, si un homme, Bémet, il arrive à ça, ça va pas le déranger de faire une amida d'une demi-heure même. Il a le temps. Doucement, où je cours? Où je cours? Oh, la parnassa, ça. C'est entre les mains d'Hachem. Pourquoi je vais courir? Il fait sa tefila doucement. Il prend son temps. Il fait shachrit, mincha arvid, comme la Gemara raconte. Chassidim, ayoshoim sha'achat, mitpalelim. Kedesh chavnu et libam la makom. Ron, Mishnah, dans Perek Hamishi, de Maserhet Brachot. Première Mishnah. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? La Gemara explique que il se préparait une heure avant la tefila. Et il priait pendant une heure. Et après la tefila, pendant une heure encore, il redescendait sur terre. Combien de temps la tefila? 3 heures. Shachrit. Après la mincha, pareil. 3 heures. Après Arvit, pareil. 3 heures. Combien de temps il prie par jour? 9 heures. Quoi, 9 heures la tefila par jour? 9 heures. Alors la Gemara demande. Melartan. Echana aset. Toratan. Echan mishtameret. Comme ça la Gemara demande. Alors leur travail, quand est-ce qu'ils le font? Il y avait le kollel à l'époque? Il n'y avait pas le kollel. Il n'y avait pas Misrad Adatot. Il n'y avait rien du tout. Il y avait t'as de l'argent, tu manges. T'as pas d'argent, tu meurs. Il n'y avait rien. Tout le monde devait travailler. Alors comment ils travaillent? Il prie 9 heures par jour. Il faut un temps pour étudier. Combien? C'est des Tanaïm, on parle. Chassidim, Arishonim. Chassidim, Arishonim, c'était Gdolé en l'âme. Combien de temps il faut étudier? Il faut bien 8 heures. Alors il reste quoi? 8 plus 9, 17. Oui, il faut dormir un peu. Combien de temps? 3 heures. Okay. Qu'est-ce qu'il reste? Il faut manger. Il reste 2 heures, 1 heure. Comment ils travaillent? De quoi ils vivent? Alors, la Gemara répond. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle a aussi mourat. Ils font leur travail, il est béni. Ils ont la bracha dans le travail. Ils font un tout petit peu et ils gagnent beaucoup d'argent. Leur Torah, et à la bracha dans la Torah. Ils étudient un peu de temps, ils apprennent énormément, ils retiennent tout. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que si on investit au bon endroit, il ne faut pas s'inquiéter du reste. Un homme, il investit au bon endroit, comme chez eux, Chassidim Rishonim, 9 heures de tefila. Ah, mais comment je vais faire? Et comment ça? Tu dis aux gens, il faut aller le matin à la tefila, il faut aller à un shiur au Torah. Oui, mais comment je vais travailler? Il faut que j'aille au travail, j'ai le bureau, j'ai ça qui commence à telle heure, j'ai ça, j'ai des affaires, j'ai trucs. Il n'a rien compris. Chassidim Rishonim, ils investissaient beaucoup dans la tefila, beaucoup dans la ruchaniyut, dans le spirituel, et tout le côté matériel et même spirituel, il était béni. Il faisait très peu, et en très peu de temps, il faisait beaucoup. Chassidim Rishonim. C'est le secret de ce que dit Chovat HaLevavot ici. Si un homme il a le bitachon, Kadosh Baruch Hu, que toute sa vie elle est gérée par Hachem, alors il sera disponible dans son esprit pour s'affairer, s'occuper de ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important? Le service d'Hachem. Ve'i efshar lo la'adam liot mishuchar mida'agot ela imu boter b'Hachem. C'est impossible pour l'homme d'être libéré des soucis, des inquiétudes, si ce n'est qu'il est boter Hachem. Faire confiance en Hachem. À tous les niveaux, tous les soucis, dans tous les domaines. Mipinei shi'im ulo boter ba'elokim ou boter mimashu acher. Si il ne fait pas confiance en Hachem, on est obligé de s'appuyer sur quelque chose. Oui, un homme, il a toujours des sfekotes, on a toujours des soucis dans la vie, on a toujours des objectifs, on a toujours des choses qu'on veut faire. Oh, Rabbi Bagvod Rav.